L'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur en France. Alger entend ainsi protester contre le soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Une décision inédite de la France dans ce dossier dénoncé par l'Algérie. Soutien de longue date du Front Polisario qui revendique ce territoire et réclame toujours un référendum d'autodétermination tel que prévu depuis 1991. Pour Alger, la voie adoptée par la France est aux antipodes des initiatives de la communauté internationale, notamment de l'Organisation des Nations Unies. Alors que Rabat a salué la proposition forte et claire de Paris, le plan proposé depuis 17 ans maintenant par le Maroc vise l'autonomie du Sahara occidental sous sa souveraineté. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II prenait possession du Sahara après la marche dite verte, alors que l'Espagne se retirait de ses territoires. Le Sahara occidental est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome.